donne le module et l'argument de moins racine carrée de 3 plus i. Appelons ce nombre complexe z. Alors le module de z se calcule par la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire, donc 1, au carré. Et ça, ça donne 2. Plaçons-nous maintenant dans le plan complexe pour trouver l'argument. Vu que le module de z est égal à 2, le point qui représente z dans le plan complexe doit se trouver sur cette circonférence de centre 0, 0 et de rayon 2. Nous savons que l'ordonnée du point en question vaut 1 et l'abscisse est strictement négative. Donc, à partir de ce point, nous traçons l'horizontale vers la gauche jusqu'au point d'intersection avec ce cercle bleu. Et par conséquent, le nombre z en question est représenté par ce point. Nous cherchons l'argument de ce nombre z, c'est-à-dire nous cherchons cet angle φ. Et cet angle, c'est bien sûr π moins π sixième, c'est-à-dire 5π sixième.